look at the city down below. Allô? Pauvre abruti. Faites des compliments. Hey, tu le racontes. Hey, tu m'appelles pour me le faire. Toi aussi, je te prends quand tu veux. On sort après le coup, je vais te mettre la roue. S'il vous plaît, j'aimerais un peu de silence. Elle l'a branché à mort et il l'a jeté. Bon, c'est fini. Hey, t'étais sur place? Non, moi j'y étais et pas toi. Alors tu l'ouvres encore et... Non, mais tu crois comment il frime? Je te préviens, si je prends à cause de lui, il va s'en souvenir. Vous pouvez pas la fermer. Moi, ça m'est égal de passer une heure à attendre le silence. C'est pour vous. Et toi, si je te demande ce que tu fais ce soir, je me prends une veste? Leroy. Quoi? On fait un marché. Si tu préfères bavarder, tu sors. Je te mets les notes que tu veux à condition que tu foutes plus les pieds dans mon cours. Si t'étais un mec de parole, je le ferais. Mais là, je te crois pas. Non, pardon, je te promets, je me tais. Merci. J'ai besoin de quelqu'un derrière la caméra. Maintenant? Oui, viens. Alors, aujourd'hui, on va s'entraîner à parler devant une caméra. Vous devrez tous raconter une anecdote, un petit moment personnel de votre vie. Ce que vous voudrez, mais quelque chose qui vous concerne. Dévoilez-moi votre âme. Est-ce qu'on pourra se déshabiller? Ton âme, on a dit. D'accord, à poil. On va filmer que les visages. C'est un métier qui demande de la générosité, beaucoup de courage et de la maîtrise. Que vous deveniez plus tard réalisateur ou comédien ou même producteur, il est toujours utile de savoir contrôler son image. Donc, vous aurez 30 secondes pour nous parler de vous. Je ne veux pas de banal ou de remâché, ce n'est pas destiné aux bonnes œuvres, alors pas de politiquement correct. Je veux un truc perso et original. Moi j'en ai un, ma grand-mère est lesbienne. Tu fais ton intéressant? Alors à toi l'honneur. Moi? Debout. C'est obligé. Allez. Vas-y, vous moquez pas, vous y passerez tous. Sympa. Raconte la dernière fois que t'as branché en boîte. Ouais. Ça, c'est toi qui vas le raconter. Quoi? Je vois même pas ce que je pourrais raconter sur moi. Eh, hey, naze ton idée. Tiens, je déteste mon prénom. À partir de maintenant, vous allez tous m'appeler Stallone. Et tu fais gaffe, si tu me cherches, tu me trouves. J'ai appris que mon père allait épouser sa copine. On n'a que 5 ans de différence. Chaque fois que je l'ai, il me promet qu'il va revenir, mais je le verrai pas avant au moins 3 mois. Ça commence à faire un bout de temps qu'on s'est pas vu, mais apparemment, ça le dérange pas plus que ça. C'est tout. Tu voulais un truc perso? Bah, il y a environ 2 semaines, j'allais dans une rêve et il y a un type qui m'a filé des extasies. D'habitude, j'en prends pas, quoi, mais... Et là, je pouvais pas trop refuser, alors j'ai essayé pour voir. C'est tout? Ouais, mais ça reste entre nous, hein, faut pas le dire à mes parents. T'es mort, Tommy, j'appelle les flics immédiatement. C'est pour me faire flipper, ça? Non, ils me paient pour balancer mes élèves. C'est vrai? Oui, oui. Et toi, Joseph, t'as jamais fumé de l'herbe? Aujourd'hui, c'est vous qui êtes sous les projecteurs. Alors, qui n'est pas passé? Karine, tu y vas? Je suis sûr que t'as plein de choses à nous dire. D'accord. Ça y est, je suis prête. Ça tourne. Il y a un mec qui me plaît et j'aimerais lui dire. Mais il est peut-être avec quelqu'un. Et surtout, il est beaucoup plus vieux que moi. Et je suis sûre que je lui plais, mais qu'il me trouve trop jeune. Et il ne doit pas oser. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas.
Bon, debout. On va visionner ça en classe. Allez, vite. Viens. Je sais pas. J'ai pas vraiment de truc original à raconter sur moi. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. J'ai pas de destinée. Et ma vie n'est pas extraordinaire. C'est ma mère qui m'a élevée parce que mes parents sont divorcés. D'ailleurs, j'ai appris que mon père allait épouser sa copine. On a que 5 ans de différence. Chaque fois que je l'aime, je crois qu'il va revenir, mais je sais que je le veux. Bien, maintenant j'aimerais qu'on s'intéresse surtout à l'image, d'accord? Et à ce que dégage Rona. La première chose qu'on remarque, c'est qu'elle est très douce et qu'elle a une sensibilité à fleur de peau. Tu es une comédienne née. Et à part ça, on voit qu'elle est rousse. Je t'ai bien décrite? Ça me va. Très bien, maintenant l'interview de Karine. Silence. Il y a un mec qui me plaît et j'aimerais lui dire. Mais il est peut-être avec quelqu'un. Et surtout, il est beaucoup plus vieux que moi. Et je suis sûre que je lui plais, mais qu'il me trouve trop jeune. Il doit pas oser. Enfin, c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Voilà. Bien. La première chose qu'on sent, c'est qu'elle a horriblement peur. D'un côté, elle essaie de se livrer, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Fais pas les choses à moitié, Karine. C'est frustrant. Doucement, doucement. Restez à vos places, j'ai pas fini. Écoutez-moi, dans deux semaines... Mais ça a sonné, on va être en retard en géo. Attends deux secondes. Je veux que tout le monde se mette en équipe pour tourner un clip sur l'amour. Comment ça, un clip sur l'amour? Prenez une chanson qui vous inspire et racontez-moi une histoire d'amour, qu'elle vous implique ou pas, qu'elle soit vraie ou non, aucune importance. Je veux juste que vous essayiez d'illustrer une chanson ou une musique sur le thème amoureux, à votre manière, avec les images de votre choix. Très bien. Vous êtes libre. Clara, viens me voir, s'il te plaît. Oui? Où ça en est, ton reportage? On termine le montage aujourd'hui, si tout se passe bien. Vas-y, vite. Ça y est. Salut, Karine. Il me faut l'autorisation de prendre une caméra. Ah bon? Oui, j'ai déjà mon scénario, alors autant ne pas perdre de temps. T'es motivée, c'est bien. Faut mieux l'être dans ce métier. C'est si dur que ça? Plus que tu ne crois. Tu sais, j'ai vu l'un de tes courts-métrages. Ah oui? Ouais. La Cinémathèque a fait une soirée spéciale jeunes réalisateurs la semaine dernière. Il y avait une dizaine de courts-métrages, dont Le Témoin de l'Ombre. Oui, je l'ai tourné pendant mes études. Je m'en souvenais plus, d'ailleurs. J'ai vraiment adoré. Merci. Et je voulais te dire, j'ai trouvé que c'était le meilleur de toute la rétrospective. Dommage que t'aies pas continué. Je bosse sur un long-métrage, mais c'est dur de trouver des fonds. Raconte, ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre... On en parlera une autre fois. D'accord. Voilà. Super. Amuse-toi bien. Merci. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Bien sûr, j'allais t'en parler. Si, je prends des images pour le clip. Au centre commercial? Oui, mais c'est juste pour l'ambiance. Ça te branche d'aller au cinéma ce soir? Non, j'ai pas le temps. Tu m'accompagnes? Je dois faire des prises en extérieur. Pourquoi tu cavales? Je veux filmer avant qu'il fasse nuit. T'es vraiment bizarre en ce moment. T'es sûre que tu me caches pas quelque chose? Non, pourquoi je te mentirais? Mais je te jure, c'est depuis que t'es amoureuse de ce type que t'as changé. Alors tu veux toujours pas me dire qui c'est? Je te répète que tu ne le connais pas. Bien sûr, je le connais, on fréquente les mêmes lui, gens. Lui, tu ne le connais pas. Bon, j'y vais, j'ai encore du boulot. On se téléphone. Avec une bande de copains, on s'était donné rendez-vous au centre-ville. Nous voulions savoir si les établissements concernés respectaient la loi interdisant de servir de l'alcool ou des boissons alcoolisées aux mineurs. Nous sommes allés dans 5 bars différents. Personne ne nous a demandé notre âge ou nos papiers. On nous a servi de la tequila sans poser de questions. Personne ne semblait même se soucier du fait que nous puissions mettre le patron en situation illégale. Hé, Zoé, arrête, reviens en arrière.
Ouais, pile. Waouh, ce qu'il est canon. Mais d'où il sort? Il faut me le présenter. C'est vrai qu'il est pas mal. Moi, il ne me plaît pas du tout. T'as déjà un mec, toi. Alors comment il s'appelle, ton petit vieux? Son nom ne dira rien. T'es sortie avec? Pas encore. Et qu'est-ce que t'attends pour lui sauter dessus? De ce côté-là, vaudrait mieux que tu la fermes. Non seulement t'as pas de mec, mais en plus t'es la seule à être encore vierge. Oui, et alors? Moi aussi je le suis et j'ai pas honte de le dire. Toi? Tu plaisantes? Ça te surprend? Oui, je croyais que c'était fait depuis au moins... Je ne me suis jamais sentie suffisamment en confiance. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle sort avec des mecs qui ont l'âge de son père qu'elle va forcément... Vous voulez pas me lâcher? Puisqu'on en est au potin, j'espère que ce consommé avec Guy vous avait fait l'amour. Bien, on voulait, mais on n'a pas réussi. Pas réussi? Comment ça, pas réussi? On n'avait pas de préservatif. Attendez, attendez, attendez! Vous n'allez pas me dire que je suis la seule de tout le groupe à avoir déjà couché? Non, moi aussi je l'ai fait. Toi? Clara? C'est drôle quand même, j'ai toujours cru que je serais la première à le faire. Bon, les filles, si on arrêtait de bavarder et qu'on se remettait au travail, histoire de pas y passer la nuit. Avec une bande de copains, on s'était donné rendez-vous au centre-ville. Nous voulions savoir si les établissements... Salut. Salut. Tu sais, je t'ai appelé plein de fois, mais t'étais jamais là. Oui, j'ai pas arrêté de bouger cette semaine. Je voulais te dire que j'ai eu mon permis. Génial. Je fais une bouffe pour fêter ça demain soir. Tu viens? Non, je crois pas que je pourrais venir. On va se marrer, il y aura tout le monde. Je sais, mais j'aurai pas le temps. Qu'est-ce que tu me fais comme plan? C'était bien parti, non? Nous deux? À la fête, samedi soir. Écoute, justement, j'ai bien réfléchi. Ne le prends pas de travers. Mais ça collera jamais. T'en sais rien, on n'a pas vraiment essayé. Oui, mais il y a des fois, on n'a pas besoin d'essayer, on le sent et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je prépare le montage de mon clip. Je peux voir? Touche pas! Ça va, du calme. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas te voler tes idées, n'aie pas peur. Écoute, je suis désolée, je suis un peu à cran. J'ai encore plein de boulot et je dois terminer le clip pour demain. Tu veux toujours pas me dire ce que t'as? Je viens de t'expliquer, je suis un peu fatiguée. Même fatiguée, t'es pas comme ça d'habitude. Je vois bien que c'est pas ça. J'ai aucune raison de te mentir. C'est toi qui es complètement parano. J'ai jamais répété un secret que tu m'as confié, alors pourquoi tu ne me fais pas confiance? Écoute, laisse-moi finir de travailler, je suis trop fatiguée pour me prendre la tête avec toi. Fais gaffe, tu finiras par perdre tes amis. Action! Coupé, Zoé, t'es dans le champ, ça fait la troisième fois, t'es dans les vapes ou quoi? Désolée. Bon, c'est pas grave. Allez, tout le monde en place, on s'en fait une dernière. Quoi encore? J'en peux plus, ça fait deux heures que je l'embrasse. Tu veux être comédienne ou quoi? Il te dit de la refaire. Attends, ça suffit. Une dernière et après vous arrêtez. Ce sera la bonne. Action! Allez, coupé. Pas la peine d'insister, on n'aura pas mieux. Vous n'êtes pas arrangé? Moi, je d'accord. Réalisé, allez, va-t'en. Attends, où tu vas? T'avais promis qu'on ferait une autre secondes. Prise avec... C'est pas terminé. Faut remballer tout ça. Au revoir, à plus tard. Salut, Joseph. Karine? Oui. Comment ça va? Très bien, merci. Oui? Mm-hmm. Tu te sers encore de la caméra? J'ai encore quelques plans à tourner, mais je la rends demain. Bon, écoute-moi.
Qu'est-ce que tu dirais si on envoyait ton clip au concours des nouveaux talents? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Pourquoi? C'est mauvais? Non, seulement c'est un peu trop personnel. J'ai pas envie de le partager. C'est pourtant le but du jeu quand on fait du cinéma. Je ne suis pas sûre de vouloir faire du cinéma. Pour l'instant, termine ta vidéo. Tu la montreras en cours. Si t'as le moindre problème, tu m'appelles et je t'aiderai. Tu as mon numéro? Non, tu me le donnes? Note-le sur ton bloc. 67. Oui. 68. Mmh. 482. C'est noté. Bonne chance. Merci. À plus. Au revoir. Salut. T'es encore là? Je cherche une cassette, j'arrive pas à mettre la main dessus. C'est rare de te voir au bahut à cette heure-là. Et toi, pourquoi t'es pas encore partie? La salle de montage était libre, alors j'en ai profité. T'as bien bossé? Ouais. Tu t'en vas ou pas? Oui, j'en ai marre, je laisse tomber. Je verrai ça un autre jour. Si, mais je suis pas pressé. Est-ce que tu te sens heureux à l'école? Je préférerais réaliser mes films. Tu ne devrais pas faire de compromis. Je n'ai pas le choix. Quand tu auras mon âge, tu comprendras. Je ne suis pas aussi gamine que tu le penses. Tu vas souvent au bar des Arcades? Mm-hmm. Je suis passée devant en allant au centre commercial. Je t'ai vue là-bas avec une fille. Non, mais tu m'espionnes? Non, je passais par là par hasard. J'ai failli rentrer pour te demander un truc concernant le clip. Et pourquoi tu l'as pas fait? T'étais pas seule. T'avais qu'à m'appeler chez moi après? Oui, je voulais. Écoute, je l'ai pas fait, tant pis. T'as une petite demi-heure? Pourquoi? Tu m'invites à boire un verre? D'accord. Super. Alors, comment se passe le clip? S'il te plaît, on pourrait pas arrêter de parler de boulot? Bon, de quoi tu veux qu'on parle? Je sais que t'as une amie. Tu vis avec elle? Non, en ce moment, je vis seule. Et toi, t'as un copain? Je suis sortie avec un mec qui avait 25 ans, mais ça n'a pas duré. Et ce garçon plaisait à tes parents? S'il leur plaisait, mes parents ne se sont jamais mêlés de ma vie. Ils ont assez de problèmes comme ça. Et donc tu leur en veux? Tu veux être mon psy ou quoi? Tu crois que ça m'irait comme rôle? C'est pas le rôle qui t'irait le mieux en tout cas. Explique. Je te verrais plutôt en clown triste. Tu veux que je mette de la musique? Qu'est-ce qu'il y a?
m'excuse. Tu t'excuses de quoi? On n'a rien fait de mal. Ça ne mènera jamais nulle part. Pourquoi? À cause des autres? Pas seulement. Tu crois que je ne suis qu'une gamine? Je te prends pas pour une gamine, tu es beaucoup plus mature que la plupart des femmes que je connais. Alors pourquoi tu ne fais pas simplement ce dont tu as envie? Il y a des règles qu'on ne peut pas enfreindre. Tu nous parles tout le temps de liberté, d'ouverture d'esprit, mais t'as pas le courage de l'appliquer pour toi. C'est pour ça que t'es qu'un petit prof de banlieue dans un bahut minable et que tu ne seras jamais réalisateur. Je préfère qu'on en reste là et qu'on oublie ce qui s'est passé. En ce qui me concerne, c'est déjà fait. Tu ne veux pas que je te raccompagne chez toi? Non merci, j'arriverai à me débrouiller. Tu sais ce qui me fait le plus de mal? C'est de me rendre compte que finalement t'es pas celui que je croyais. Excuse-moi d'être en retard, il me restait deux ou trois retouches. Vas-y. Et l'embrasse comme un pire, regarde ce massage. Silence. C'est ce qui fait le style pour les Oscars. Moi, je trouve ça nickel. Bien. Votre opinion? Je trouve ça vachement bien. C'est sympa. On y croirait presque. On dirait un vrai couple. Le mariage de mon cousin était mieux fumé que ça. Je suis Spielberg. Je suis un génie. Tu parles, c'est naze. Il n'y a aucune originalité. Regardez-le, l'autre jaloux. Non, c'est un peu limite comme critique. Et c'est pas constructif. L'idée n'est pas mal, mais l'image n'a pas de rythme. Ça manque de pêche. Je veux que tu prennes une caméra et que tu sortes. Filme des extérieurs, des situations fortes. Après seulement, tu insères la musique et tu finis ton montage. Compris? Très bien. Quoi d'autre? Joseph, je t'apporte mon reportage mardi. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui? Maintenant? Si tu veux. Promets-moi de regarder tout le clip jusqu'au bout. Pourquoi je l'arrêterai avant? Je voulais seulement être sûre. D'accord. Alors c'est Joseph dont elle est amoureuse? Oui, tout le monde le sait. Super la réalisation, Karine. Où tu veux?
vas, tu n'attends pas les commentaires? Une autre fois. Voir deux secondes. Mmh. J'ai décidé d'arrêter le cours d'audiovisuel. Tu m'as suivi pendant combien de jours? Une bonne semaine. Tu m'en veux? Oui, mais je suis admiratif. Tu m'avais traité de lâche, j'ai voulu te prouver le contraire, enfin là c'était un peu excessif. C'est pour ça que je t'ai parlé de maîtrise. J'espère que tu me pardonnes. À une condition. Que tu laisses pas tomber. Bon travail. C'est pas une raison pour te reposer sur tes lauriers. When I look at the city down below.